Eh bien, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un porte-chargeur de cuisse pour chargeur de MP5. Donc, il s'agit d'un porte-chargeur de la gamme Tactical Equipment de chez Taiwan Gun. Donc, c'est du cheap, hein. J'ai acheté ça, je crois que ça devait faire moins de 10 euros, il me semble. Donc ce porte-chargeur comprend trois poches dans lesquelles on peut mettre un chargeur par poche et non pas deux. On peut l'adapter pour porter à gauche ou à droite. Donc il est fait en nylon tout basique. Donc il y a des scratchs ici, on peut enfiler le chargeur ici, pardon. Pareil là, vous avez des petits réglages éventuellement pour serrer plus ou moins le chargeur. Ensuite, au niveau de l'attache de la ceinture, donc pareil, vous avez pas mal de scratch ici, donc vous passez la ceinture là-dedans, vous fermez. Alors vous pouvez la passer soit là ou éventuellement là si vous portez la ceinture un petit peu basse. Au niveau des attaches autour de la jambe, donc il y a deux sangles. Les attaches en plastique sont assez dures à mettre. Alors là, vous voyez, j'y arrive bien parce que je suis à plat sur une table tranquille. Mais pour lorsque vous l'avez autour de votre cuisse, c'est pas évident, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Cela dit, au moins ça ne veut pas se barrer tout seul. Truc pas mal aussi, c'est, vous voyez, cette partie ici est élastique, donc éventuellement ça peut donner un petit peu de jeu. Lorsque vous baissez ou ce genre de truc, comme ça évite que ça vous sert de trop. Ici vous avez une partie velcro, mais la partie douce, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, donc je sais pas trop pourquoi faire. Donc voilà, je m'en suis pas encore servi, mais je pense que je m'en servirai très certainement lorsque je veux voyager léger, entre guillemets, c'est à dire que je veux pas m'encombrer avec mon gilet tactique. Là, un petit porte-chargeur, trois chargeurs plus celui qui est sur la réplique, ça en fait 4. Bon, il y a déjà de quoi faire. Voilà, sur ce, ben je vous souhaite une bonne soirée, que l'airsoft soit avec vous et à la prochaine.